Bon matin tout le monde, je m'en viens. Et voilà. Alors, bon matin à tous. Bonjour Mario. Oui, petit café, toujours important le matin. Je sais, on est déjà en mode de modélisation. J'ai juste trop hâte de continuer ce projet-là. Vous allez remarquer une petite chose différente au-dessus de ma tête maintenant. J'ai mis une petite compilation des choses que j'ai faites jusqu'à maintenant, dans le fond, différents emotes que j'ai fait, des alertes pour Twitch, dans le fond, que j'ai fait pour la chaîne Jeux AZ. C'est tout moi qui les a fait au complet, qui a fait les montages et tout. Fait, je me retrouve ça intéressant de les montrer. Fait que vous allez pouvoir les voir tout le temps. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite aller sur la table. La seule chose que j'ai faite hors stream tantôt, c'est simplement de la repositionner le plus possible dans le centre. Parce que c'est important quand que je vais vouloir pour venir faire... le turntable 360 de la table, ça va être important que je puisse qu'elle soit vraiment centrée dans le milieu. Je vais peut-être même ajouter un morceau supplémentaire tantôt, là, mais qu'on ait terminé d'arranger la table au complet. Juste rajouter comme une espèce de podium, si vous voulez, qui va aller en bas pour juste asseoir la table dessus, puis à partir de là, comme en tout cas c'est du technique là, mais à rattacher tous les morceaux à ce morceau-là, et c'est ce morceau-là qui va tourner à 360 sur lui-même. Mais là, on n'est pas rendu à ce niveau-là, on est rendu à la place comme la dernière fois, on était après arrangé un autre des morceaux qui est le dessous de la table, pardon, l'autre morceau qui va en dessous. Puis, au départ, on se disait, ah non, on n'aura pas besoin de l'arranger, mais étant donné qu'il y a comme il y a du relief quand même en dessous, hein, les morceaux de bois qui sont ici renfoncent un petit peu vers l'intérieur pour bien voir le dessus et le dessous de la table. Donc, les edges qui sont sur les rebords ici vont avoir besoin de ce petit oomph, ce petit côté-là pour rattraper les rayons de lumière pour vraiment créer l'effet réaliste. Fait que là, on était la dernière fois à détrianguler le morceau et j'avais arrêté, dans le fond, là où ce que j'étais rendu, c'est de faire à l'intérieur un petit peu plus, les parties un peu plus... plus cachés, là, un petit peu plus fermés. Mais même si elles sont cachées, ces morceaux-là, si vous pensez que ça ne paraîtrait pas à la caméra, détrompez-vous. Ça paraîtrait parce que du moment qu'on va faire le bevel sur les bordures de la table, ça va paraître tout de suite. Voilà. Donc, on va tout de suite enlever tous les triangles. On était rendu à ce point-là. Puis, si vous êtes un petit peu découragé du processus, faites-vous-en pas. Il y en a presque plus. Regardez dans la liste, là. Il reste que ces morceaux-là ici à arranger. Ben, on va terminer ça. Aujourd'hui, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, on va pouvoir finir de mettre les matériaux sur tout. L'autre chose aussi, bonjour Mimi, bon matin à toi, comment vas-tu? Ben, on va pouvoir, il va falloir aussi dans le fond, fort probablement découper la table, parce que là, si on applique le bois là-dessus, hein, on se souvient, il va avoir deux côtés sur six, qui va que le grain du bois va être dans le bon sens, mais pas les six côtés, fait qu'on va devoir séparer dans les UV, là, on va devoir... arranger ça. Je vais juste mettre le focus sur cette section-là. Ça va super bien. J'avais très hâte de continuer ce petit projet-là ici, là. Bon, est-ce qu'on a fini déjà de tout détrianguler? J'espère que... Non, on n'a pas fini. Finir de détrianguler le modèle. Ben, c'est ce morceau-là. Comme ça. Tous les petits morceaux cachés, là, lui a l'air d'être fait. Je pense qu'on a fait ceux-là. Il nous reste à faire ceux-là à l'intérieur de ceux-ci. En tant qu'à faire, on va toutes les faire. Allô Mario! Oui, Mario est là avec moi ce matin aussi.
Qu'est-ce que tu fais de beau ce matin, Mimi? Est-ce que tu as une grosse journée en avant de toi ou ça va quand même plutôt chill? Puis comment ça passe ce que Hugo a commencé hier? Est-ce que c'est à son goût? Est-ce que tout va parfaitement ce matin? Je le souhaite. Voilà. On va juste peser sur le point sur le clavier pour pouvoir centrer sur qu'est-ce qu'on fait. Toujours plus pratique de voir où est-ce qu'on s'en va, hein, n'est-ce pas? Donc, là, on a terminé de le détrianguler. On va pouvoir, avant de... Il faut que j'essaie de me souvenir dans l'ordre les étapes. Avant de faire les bevels, on va faire les UV. Donc, on va sauter sur faire les découpes. Dans le fond, on va découper là où ce qu'il va avoir les seams. Donc, on va y aller ici. Est-ce que je suis capable de poigner la rangée au complet? Non. Vous voyez, ça, c'est une des raisons pourquoi je déteste les triangles. Parce que les programmes de modélisation n'aiment pas les triangles. Quand on essaye de faire une commande, mettons prendre un loop au complet, s'il y a des triangles dans le portrait, le programme ne le fait pas. Fait que tu es obligé d'aller sélectionner chacun des edges qui te font plaisir. Même chose que si on veut faire une découpe rapide avec le edge, le loop cut comme ça. S'il y a des triangles, regardez là, ça le coupe pas au complet. Tandis que quand c'est tout des carrés, ça coupe. Travail, je chôme pas, mais ça va. Et oui, Hugo, il gagne meilleur. Et alors, ça s'est bien passé à. Ouais, mais je parlais de. Tu sais, l'autre chose, là. Qu'il est à préférer avec son imprimante. Savoir si ça se passe bien. S'il n'y a pas eu d'anicroche avec son imprimante. Mark Seam. Fait qu'on va continuer de découper le tout. Comme ça. Hop, hop. Hop. On va faire la couture là. Et j'essaye de pas mal garder la couture pas mal tout le temps aux mêmes endroits. Comme ça. En temps normal, j'aurais essayé de le découper vraiment straight the middle. Oui, il vient de me montrer un bout. C'est très hot. Parfait, ça. Bien, bien, bien contente. C'est toujours génial quand ça va dans le sens qu'on veut. Oups, j'ai oublié de découper ici. On va mettre cela aussi, qui est une couture. Voilà. Ensuite, si là, on essaye de le déplier comme ça, hein, on voit encore ici, on dirait comme un tube que ça va faire là. Fait qu'il va falloir vraiment que j'aille découper les edges qui sont ici. Encore une fois, à cause qu'il y a des triangles dans le portrait, regardez, il veut pas, même si je fais la commande, hey, prends-moi le tour là, il est pas d'accord. Il veut pas. Mais là, ça me tente pas vraiment d'essayer d'enlever les triangles. Ça va être vraiment plus le bordel. Parce que dans le fond, le seul triangle qui reste, là, c'est celui qui est là ici. Mais ça va nous causer vraiment des gros soucis si j'essaye de l'arranger autrement. Bon, là, on va juste voir où ce qu'on en est. Merci beaucoup. Là, de ce qu'on voit, les UV, en les dépliant, ça a vraiment pas donné quelque chose qui est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai les morceaux ici. Hein? Ça ici, là, ça ne veut pas se déplier correctement. Fait que je pense qu'on va juste aller faire d'autres coupures ici. Comme ça. Hein? La section du dessus. Comme ça. Les UV, quand je dis qu'ils sont pas corrects, dans le fond, là, je sais pas si vous l'avez vu, là. Regardez comment c'est tout croche. Essayez de placer un morceau qui est comme relativement droit sur une texture qui est faite vraiment droite. Ça donne vraiment quelque chose de pas très très beau. Fait qu'on va devoir vraiment découper un petit peu plus. On va lui donner plus d'informations à notre modèle. Puis il dit, regarde, c'est là que tu peux couper. C'est là que on veut que ça soit droit. Puis la partie qu'on veut que soit le plus droit possible, c'est celle qui est plus visible à l'œil. Donc, celle qui va être sur le dessus. Fait qu'on va s'arranger que ça soit la portion du dessus qui soit vraiment plus droite.
Celle d'en dessous, elle l'est un petit peu moins. C'est moins grave. Parce qu'elle apparaît trop peau. On fait notre couture. Hein, on dirait vraiment, là, c'est un peu comme on pense, là. Bon, j'aime ça dire de la couture parce que dans le fond, c'est littéralement ça, Mark Seam. C'est une couture dans le jargon. Ça donne toujours l'impression que tu fais vraiment de la couture. Tu sais, tu penses à, mettons, à ton chandail. Bon, ben là, où est-ce qu'elle va aller, ma couture, là, après mon chandail? Voilà. Fait qu'on va continuer. Ah ouais, ici. Mark Seam. Non, je veux celle-là d'en haut. En haut, j'ai dit. Merci. Celle-là. Et on a fait pas mal le tour. Bon. Donc on va refaire la même chose. On sélectionne tout. Unwrap. C'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et les sections, là, on va analyser nos morceaux. Que dans le fond, le morceau qui est ici, qu'il n'y a pas comme le rebord de la table, c'est la portion qui est en haut. Tandis que lui qui a comme une espèce de bordure, une bordure supplémentaire en haut et en bas, ça va être les sections qui sont en dessous. Là, on va commencer par les mettre dans le bon sens parce que notre bois s'en va pas dans ce sens-là sur le bois, il s'en va dans l'autre sens. On va juste le virer de bord, tourner le tout et on va les placer. Ouais. On peut sélectionner juste un morceau. Dans le fond, tu sélectionnes un polygone avec L et on peut le bouger, le placer à notre guise. Quelque chose qui peut être une bonne idée pour essayer que ça soit à peu près pareil, c'est d'aller voir notre morceau de table du dessus et voir quelle grosseur qu'on avait donné à chacun de nos surfaces. Voilà. Désolé. Fait que dans le fond, regardez, là, on voit un peu comme le bout du hexagone. Il est à peu près de cette grosseur-là. C'est pas obligé d'être identique, mais on va essayer d'aller le mettre un petit peu la même grosseur. Fait que si on veut faire ça, on va par contre toutes les grossir en même temps, les scaler en même temps un petit peu. Hein, parce qu'on veut qu'il y ait quand même relativement toute la même grandeur. Là, on va placer chacun des shells. Puis moi, je vais essayer de les placer pour qu'ils soient, qu'il y en ait le plus possible de disposer dans la surface. Fait que là, je vais commencer par enlever ceux qui vont dessous, ceux qui vont dessus. Ça, c'est les sections en dessous. Ça a l'air d'être un dessous. Un dessus. Un dessus. Ces deux-là ont l'air d'être du dessous. Oh. Ça. On a 6 en dessous, 6 au-dessus. Et là, on va les placer. Comme ça. Elle. On va placer le tout. Elle. Là, celui-là, pour qu'il soit. Qu'on utilise vraiment toute la surface des UV, on va le virer de bord. Comme ça. Regardez, là, on est plus capable de le placer dans son trou. Comme ça, on optimise l'utilisation de nos UV. Ça. Là, on va refaire pareil. Puis là, on peut les mettre dos à dos, comme ça. Sans qu'ils se touchent. Hein? On veut pas qu'ils se touchent. Le moins possible, on veut que nos coquilles de UV se touchent. Moi, je suis très frileuse là-dessus, fait que je mets plus d'espace, mais vous pouvez mettre un petit peu moins d'espace entre chacune des coquilles, puis ça va faire quand même très bien la job. Mais j'aime ça avoir plus d'espace que pas assez. Comme ça. Voilà. Là, on va replacer les coquilles du dessous de la table. Là, on peut faire la même chose, on les place dos à dos. Comme ça. Et on va avoir un beau UV bien optimisé. Comme ça. Là, la portion, dans le fond, sur ces morceaux-là, qu'on a vraiment besoin qu'ils soient le plus droit possible, c'est pas la portion vraiment dessous. Ça va être comme la barre sur le devant qui est là. Qu'on va juste essayer de placer, dans le fond, nos coquilles. Pour que les deux ici soient le plus parallèle possible avec notre bois. Lui, il est comme très bien. On va faire pareil avec celui-là. Hein, on va essayer de placer
les UV de ce morceau-là le plus parallèle possible avec la texture. Si lui, il l'est un peu moins, parce que là, on le voit, là, les UV sont pas tip-top au niveau de la surface qui est là. Hein. C'est pas un parallélogramme qu'on appelle ça dans ce cas, c'est dans ce sens-là. Mais il est pas parfaitement bien disposé comparé à ce qui est censé être en dessous. Mais bon, celui-là, on s'en fout un peu, à part si quelqu'un décide d'aller regarder en dessous de la table. Mais comme c'est moi qui contrôle la caméra, ben voilà, on le verra pas. Non, on check pas le dessous de table en ce moment, on check le dessus de la table. On va virer ça, aller pouvoir le placer. Là, on est rendu un peu loin, faut que je vais juste le ramener ici un peu. On va quand même essayer de se faciliter un petit peu la tâche. Je vais essayer de le placer, pas que ce soit sur l'espèce de texture dentelée qui est là. Je vais aller le chercher vraiment plus sur une belle texture de bois. Et on va tasser ça. Comme ça. Là, lui aussi, il va falloir le virer de bord. Hop. Enlever de bord. Et on vient le placer sans qu'il touche à l'autre. Là, il n'est pas tout à fait parfait, mais à cause que justement, les coquilles sont pas tip-top, hein, comme on dit. Voilà, ben ils sont un petit peu plus difficiles à placer. Donc, plus c'est droit, plus c'est facile à placer. Moins que ça l'est, moins que c'est facile. Voilà, fait que là ça devrait donner un beau résultat. On va enlever la transparence et y mettre le look. Voilà, fait que là on voit bien le bois qui est bien positionné. Donc, on va pouvoir replacer. Non, on ne le replace pas tout de suite. On a oublié une étape. On a placé les UV. Après avoir placé les UV, on va faire les edges pour ajouter du réalisme à la table. Et on va faire comme on a fait avec tous les autres morceaux jusqu'à date. On va faire un bevel sur chacune des edges qui est visible. Donc, celle-ci. Je pense que ça va être pas mal. Celle-là ici, elle va être cachée en dessous. Comme ça. Je pense que je vais prendre celle-là puis celle-là, mais pas. Non, j'ai pas pris le bon. La beauté d'essayer de sélectionner un edge. Bon, souvent, on va avoir de la difficulté. Bon, voilà. Faut que là, je sélectionne ces deux-là. Ça va être caché en arrière du morceau de bois qui est ici, qui passe devant. On va continuer de sélectionner le reste. Voilà. Comme ça. Hop, 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 hop. Comme ça, on fait le tour au complet, hein, parce qu'on se souvient, on va faire... on fait pas une image statique, on fait une rotation 360 degrés de la table. On va voir vraiment tous les côtés. On fait qu'il faut vraiment faire aller chercher tous les côtés. Comme ça. Voilà, et là on va aller faire le petit bevel, on va espérer qu'on a tout pogné les morceaux qu'on voulait. On va ouvrir le bevel, le chiffre magique que j'ai utilisé depuis le début, 0,002, on rajoute un petit segment. Là je vais voir si j'ai tout. Faudrait que chaque coin comme ça, chaque rentrée soit en orange comme ça. Si c'est tout en orange, on est en business, on a tout. On va aller regarder. C'est un petit peu plus difficile avec les coutures rouges. Mais on est capable de le voir. Le nombre de fois que j'ai essayé de sélectionner les contours, les rebords d'un morceau comme ça pour y faire les bevels, puis que j'ai oublié un simple edge. Après ça, réparer la patente, là. Bonjour, le projet. C'est beaucoup plus difficile des fois de réparer le modèle que... de juste faire comme CTRL-Z et recommencer. Aller sélectionner les morceaux qui manquent. Là, ça m'a l'air tout beau. Ben, on va le garder comme ça. Voilà. Là, la différence que ça va faire, c'est vraiment au niveau de comment la lumière va frapper sur le rebord. Là, ça a causé quelques petites... Non, tout est beau, tout est là. C'est la forme du bois. Vraiment. Puis oui, ça a causé un petit peu des déformations ici. Là, on le voit quand même assez bien. Je sais pas si on se rapproche, là, vous voyez. Mais
Les planches de bois arrivent exactement là où ce qu'il y a des déformations, donc on ne s'en souciera pas. Parce que oui, je pourrais essayer de le régler, la déformation, mais on va passer beaucoup plus de temps qu'il en est nécessaire, puisque ça n'apparaîtra pas. Regardez là, un coup placé à sa place, on ne les voit plus, les déformations, donc ce n'est pas un problème. Comme ça. Là, regardez la différence avant. Là, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais on voit vraiment la lumière qui vient attraper le rebord pour donner un look un petit peu plus réaliste. Comme ça. Lui est un petit peu trop tassé. Je le vois bien, là. Voilà. Il y a un espace un petit peu trop gros. Il était pas bien placé. Et il y avait 0,02 de différence. On va juste réappliquer toutes les transformations. Parce que là, dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir vraiment tous les morceaux placés à leur endroit où ce que le point de pivot va être au centre. Tout à la même place. Comme ça. Là, si on se risque avec un petit peu de couleur, c'est parfait. On va aller sur les derniers morceaux. Quel est le prochain morceau? C'est un des morceaux des pattes de table. Là, je sais que Frank me dit qu'éventuellement, quand il va avoir un petit peu plus de temps, il va peut-être vouloir changer des morceaux. Donc, c'est possible que j'aie des morceaux à changer dans la table éventuellement. Mais ça, c'est pas un problème. Dans le fond, tu sais, si mettons, il dit ben là, c'est parce que j'ai ce morceau-là ici, je veux lui faire une porte à l'intérieur, lui, dans son programme dans Fusion 360, il va aller faire ça, puis après ça, il peut juste réexporter l'objet, puis moi, je vais l'intégrer ici, puis le remplacer. C'est pas vraiment un gros problème. C'est sûr, c'est d'y refaire les UV, etc. Mais un petit morceau, un morceau ici et là, mais c'est quand même faisable. C'est ça qui est le fun, tu sais. Là, on va détrianguliser, ouais. Je pense que c'était pas très bon, mon affaire. Détrianguliser. Détrianguler à nouveau ce morceau-là. Non, parce qu'on l'a vu tantôt, pourquoi est-ce que ça m'a fait des petites déformations sur le morceau d'en haut, même si c'était pas grave, la raison est qu'il y avait des triangles. Les triangles, du moment qu'on essaye de faire n'importe quelle commande, que ce soit un loop cut, que ce soit un bevel, que ce soit un inset, whatever, un extrude, ça peut causer des gros problèmes. Le programme n'aime pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on modélise en quads. Pourquoi est-ce que tout est exporté en triangle après? Je ne me souviens plus. Ça serait une excellente question. Mais voilà. Donc, là, à partir de là, on fait en CUV. On va aller tout de suite découper les morceaux. Découper les coutures. On examine ici où est-ce qu'on met les coutures sur un carré d'habitude. Là, je travaille en dessous. D'habitude, j'aime ça tasser mon morceau, mais là, ça va quand même bien. Fait qu'on n'est pas si mal. Il manque une couture encore. Voilà. On prend la totale. U, unwrap. Et on s'en va dans les UV. Est-ce que les UV ont été placés dans la bonne façon? Je pense que oui. On va essayer de voir. Peut-être un peu gros. On pourrait le réduire un peu. Comme ça. Hein, puis là, on se souvient ce que j'ai dit l'autre fois. Quand on a des morceaux qui se répètent, c'est correct qu'on ait les mêmes UV. Mais ça, si il y a une variété au niveau de la caméra là, comme tous les morceaux vont être en dessous, on risque de voir un peu plus les UV. Puis s'ils sont tous pareils, il va falloir vraiment juste bouger les UV shells, les coquilles, pour qu'ils ne soient pas tous disposés à la même place sur la texture, pour donner un peu plus de réalisme, hein, parce qu'il n'y a pas aucun morceau de bois qui va être identique. Là, si on regarde ça, je pense que ça a de l'allure. Je ne sais pas si ça irait plus dans l'autre sens. Non, je pense que ce serait plus dans ce sens-là, moi. Je sais pas. C'est pas moi l'ébéniste. Au pire, je poserai la question à Frank dans quel sens qui aurait mis son morceau de bois pour découper ce morceau-là. Mais bon, pour le moment, c'est pas bien, bien grave. Donc là, on a fait cette patte-là. J'ai l'impression que les pattes qui me manquent, c'est toute la même chose. Regardez là. Je pense que c'est les 6 morceaux de pattes qui me restaient. Yes. 1, 2, 3, 4, 5.
Est-ce que ça me tente de refaire tous les UV puis de trianguler à nouveau? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour raccourcir le processus? Simplement, faire une copie. Là, on va juste s'assurer, par contre, qu'il est vraiment centré comme faux. Là, il veut rien savoir. Je veux que tu tasses un petit peu. Si on met 0,003 à la mitaine, qu'est-ce que ça dit? C'est pas encore assez. 0, new, not quite. Oh, ça s'approche là. 0,0019. Ah, oh, on peut dire que c'est pas mal sa ligne, ça. Ça a bien du sens. On va retourner en layout. Et on va appliquer ces transformations. Voilà. Là, comme il est vraiment dans le centre, si je fais une copie puis que je le tourne à 60 degrés, il devrait être à la bonne place. Not quite. On va juste le mettre en global. Puis tasser un petit peu comme ça. 0,004. Non. 0,003. 0,005. Plus d'allure. Mais il est pas tout à fait encore ça parfait. Il est pas. Je sais, la perfection n'existe pas. Hein? On essaye quand même de le faire un peu. Ah! Maudite nouille. Excusez mon langage. J'ai oublié de faire un détail. J'ai oublié de lui faire le bevel sur la. Sur les edges. Celui-là, je me casserai pas le basic, mais on va le faire sur tout et chacun. Parce que on le verra pas énormément, mais je veux que le devant soit fait. Et là, en faisant ça comme ça va m'assurer qu'il va rester tout des quads partout. Voilà. Là, je vais pouvoir le copier. Là, je vais pouvoir faire ça, ce que je voulais. Et les placer comme ça. CTRL D. On tourne. On va les faire 120, 120, 180. Là, ils ont l'air de se rentrer l'un dans l'autre, fait qu'il va vraiment falloir que j'y replace. Regardez, là, lui, il rentre dans l'autre qui est en dessous. Je sais, vous le voyez pas très très bien, mais c'est en dessous. Là, on va refaire une dernière shot. Le tourner. Comme ça. Replacer le bon chiffre, 240. Comme ça. Celui-là, 300. Parce que vous voyez, là, quand je l'ai mis, hein, il n'est pas tout à fait sur le 300 ou le 400. Et on le place, grosso modo, on the line. Là, ça devrait être pas mal égal. Il y a ces deux-là ici, là, qui m'ont décidé de me poser problème aujourd'hui. On va le tasser un petit peu. Voilà. Et là, pour placer chacun des coquilles UV, on va sélectionner les 6. Puis, on va aller dans les UV pour pas qu'ils soient toutes superposées les unes sur les autres. Hein. On voulait pas ça. On va sélectionner une coquille, espérer que j'ai la bonne. Parfait. Puis, on fait simplement les tasser parce qu'on veut pas qu'ils soient identiques. On va pouvoir les placer pour qu'elles ne soient pas exactement à la même place sur la UV, sur la texture comme ça. Non, je ne les tournerai pas parce que je veux qu'il reste le bois dans le même sens. Là, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne comme ça. On va enlever la transparence. Voilà. Tiens. On va essayer d'enlever juste un peu de gloss pour le moment pour qu'on nous permette de voir vraiment dans quel sens que le bois s'en va. Fait qu'on va le mettre vraiment un bois rugueux. Comme ça, on voit vraiment mieux la disposition des planches.
Comme ça. Puis on voit la petite craque pour montrer que c'est pas un seul pain, ce morceau-là, hein. C'est vraiment six morceaux de bois qui ont été disposés ensemble, attachés ensemble. Mais ça va toujours laisser une petite séparation comme ça. Fait que la lumière va bien capter ça. Ça va être bien rendu à l'œil. Voilà. On peut remettre sa roughness. Où est-ce que c'était déjà la roughness ici? 0.1. Pour lui remettre son lustre. Voilà. Là, les autres qui sont ici, on le savait que c'était les mêmes morceaux qu'on va simplement déliter. Voilà. Fait que là, on a exactement la table qui est bien faite parfaitement. Comme je disais tantôt, je vais tout de suite modéliser le morceau. On va commencer par sauvegarder. Toujours important de sauvegarder. Et je vais lui faire un piédestal. Shift-A. Mesh. Le piédestal, dans le fond, comme je disais tantôt, va simplement être utilisé pour pouvoir faire tourner mon objet. On va y mettre ça à 16 côtés, tiens. Pas besoin que ça soit épais comme ça, hein. On va y mettre un petit peu moins épais que ça, là. On va dire, je sais pas, moins 40 cm, mettons. Voilà, on sait même encore trop épais. 20 cm, ça va être bien assez. Voilà, je vais juste aller le placer en dessous. Je veux pas qu'il rentre dans la table. Je veux qu'il soit à côté, en dessous de la table. Pas mal comme ça. Voilà. On va y mettre un shade smooth dessus. On va s'assurer que. Tu sais, on va quand même lui faire un beau piédestal, là. On va y faire un petit bevel à lui aussi. Aller chercher la lumière. Voilà. Là, il est pas mal carré, mon truc. Fait qu'on va même y rajouter. On va enlever les bevels. Non, 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 non. Je vais juste. Non, j'aurai pas le choix. Never mind. Never mind. Redo. Je vais aller y rajouter une subdivision pour le rendre vraiment plus rond, là. Qui arrête d'avoir l'air carré. Voilà. Ah, on veut quand même faire de quoi de beau. Lui est vraiment positionné dans le milieu, hein. Vous avez vu quand je l'ai fait. Je ne l'ai pas bougé sur l'axe des X ou des Y. Je l'ai laissé plein d'aide dans le centre. Parce que je veux que lui, quand il va tourner parfaitement sur lui-même. Voilà. Là, pour tout de suite, on va l'appuyer stand. Tiens. Les autres morceaux, je ne les ai pas renommés parce que vous avez vu, là, l'autre jour, on l'avait dit à Frank. Je pense qu'il y a comme 180 morceaux dedans son modèle ou 160. Ça va être quand même un peu trop long, mais règle générale, quand on fait notre scène, hein, on renomme. D'habitude, je le fais. Quand que je crée mes morceaux un à un, mais là, planche de bois 1, 2, 3, 4, on n'a pas fini. On va laisser ça comme ça. Le stand est là. Voilà. Lui, il a son modificateur qu'on peut, lui, pas besoin d'y l'appliquer, ça va juste pouffer plus de mémoire. Et l'autre chose qu'on va faire, on va placer notre caméra. Dans le fond, notre caméra, là, en ce moment, est dans ce sens-là. On commence à se placer tranquillement pour quand que ça va être le temps de faire le rendu de l'animation de la table en elle-même. Là, j'essaie de voir. Ah, je pense que je vais la placer comme ça. Et pour faire un turntable, faire un showcase d'un objet, souvent, l'objet va être disposé sur un fond. Hein, un peu comme quand vous prenez une photo, mettons, pour une bague ou pour un bijou, whatever. Il y a toujours comme une espèce de petit fond blanc pour que l'objet ressorte sur le fond. Moi, je ne veux pas que l'objet soit sur un fond transparent. Dans le moment, c'est ce qui serait. Fait que je veux lui fabriquer simplement comme on ferait dans un studio, là. On met comme une espèce de couverture, un background-ish sur lequel l'objet est déposé. Là, il va falloir vraiment que je fasse vraiment comme si c'était une grande couverte. Hein, on pense vraiment là, comme si on était à préférer un photoshoot. Littéralement, c'est à ça qu'on pense. On le place pour qu'il rentre dans la caméra sur tous les côtés. S. X, comme ça. Puis là, il va falloir que j'aille remonter le derrière ici. On va faire ça vraiment, vraiment simple.
Comme ça, on va simplement extruder un edge à la verticale, comme ça. Puis, pour aller lui donner une courbure, hein, parce que si là, on laisse ça comme ça va faire un beau coin carré et ça va paraître à la caméra que c'est vraiment carré. On veut pas ça. Zéro. Fait, on va lui mettre une courbure pour donner, comme quand ils font des photoshoots, les modèles, là, la couverture, elle est positionnée avec un coin rond. On va aller lui mettre un coin rond. Hein, ça va être littéralement juste un bevel que je vais prendre et que je vais y rajouter des segments pour aller y rajouter cette rondeur-là. 1, 3, tiens, regarde, on va y aller à 4. Mettre un smooth. Là, ça nous fait un beau background pour notre table. Et quelle couleur d'habitude sur quoi on met nos objets, on va mettre ça sur un background qui est gris. Pourquoi gris? Parce que c'est vraiment neutre. On veut vraiment essayer d'aller chercher le gris le plus neutre possible parce que ça va pas cacher ni trop montrer. Dans le fond, c'est que c'est ce qui est le mieux au niveau de pour showcase les objets. Fait qu'on va vraiment aller chercher le gris. Est-ce que je suis capable d'aller chercher avec le X? Moi, généralement, j'utilise 80-80-80, qui est le chiffre du X du gris à 50%. Comme ça. Et le dessous de la table, ça, je veux vraiment m'assurer que. Comment je pourrais le placer? Je pourrais, dans le fond, l'utiliser comme un objet quasiment invisible. Réfléchissons, réfléchissons. Parce que dans le fond, je voudrais pas que ça soit associé à la table, hein. Parce que ça, c'est vraiment plus comme un plancher. Bon matin, Chmu, comment vas-tu ce matin? Merci de ta présence. C'est fortement apprécié. Je pense que dans le fond, je vais l'enlever, puis je vais juste y mettre un rond. Comme ça. Il va être rempli par un N-gun, mais il va être gris lui aussi pour qu'il se fonde avec le background dans le fond. Parce que je veux pas que ça vienne chercher. Je veux pas que ça vienne enlever rien à la table. Je veux vraiment que ça serve juste pour permettre à la table de tourner comme correctement. Voilà. Fait que là, ça se fond dedans. C'est parfait. C'est exactement ça que je veux. Je veux pas que ça fasse d'ombre. Le cercle qui est là, c'est le turntable. On sauvegarde la patente. Sup, Mario? Ben, là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en mode pas. Là, en ce moment, oui, j'ai des polygones overlap, comme vous le voyez. Mais pendant il est en rendu, on ne le voit pas vraiment. Fait que on va espérer que dans le rendu tout court, ça ne me causera pas trop de problèmes. Sinon, au pire aller, je vais le descendre juste d'une mini coche. Où je vais monter cela d'une toute petite coche aussi. Comme ça, on va appliquer des transformations. Je vais juste le monter d'une toute petite mini coche. Hop! Plus de polygone over là. Donc là, il est un petit peu par-dessus. Comme ça. Fait que vraiment là, moi je veux que ça soit utilisé vraiment pour me permettre de faire l'animation, de tourner la table 360 sur elle-même, sans avoir à bouger chacune des pièces séparément. Là, on va tomber dans le fond, on va parenter. On va attacher chacun des morceaux pour qu'ils soient parents à lui ici en bas. Mais avant, on va commencer. Je vais sauvegarder sur un nouveau fichier. Hein, on va incrémenter. Comme ça. Parce que ce que je vais faire, là, ça va être de combiner chacun des morceaux qui ne bougent pas pour avoir le moins possible de morceaux dans ma scène après ici dans ma liste. Les morceaux qui présentement bougent, ça va être probablement, c'est censé être à éventuellement changer ça parce que je sais que Frank, il voulait que ça ici, ce soit un tiroir. Mais dans le moment, c'est vraiment juste plein, c'est vraiment juste fermé. Et si jamais
un moment donné, il veut le modifier, ben je le modifierai à ce moment-là, ça sera pas un problème. Je pourrais simplement aller en mode edit puis aller chercher chacun des morceaux et les séparer par la suite. Mais pour le moment, pour vraiment rendre la chose facile, je veux que, dans le fond, les seuls morceaux qui vont être détachés, qui ne seront pas connectés dans le même modèle, c'est les panneaux comme ça, parce qu'eux, ils vont fermer. Fait que je vais juste les bouger hors du chemin. Parce que je ne veux pas les sélectionner par erreur, comme ça. Me placer en vue de côté en mode transparent, puis je vais aller sélectionner tous les morceaux qui sont comme ça ensemble et les combiner. Join. Active object is not a selected mesh. Je t'ai dit de sélectionner, merci. Join. Voilà. Donc là, ce que ça fait, c'est regarder dans ma scène, là, vous saviez, j'avais au-dessus de 160 pièces détachées. Là, je suis rendu vraiment avec un morceau qui est la table en elle-même, que là, tout bouge ensemble. J'ai les 5 palettes qui sont individuelles parce que c'est eux que je veux bouger. Puis j'ai mon turntable qui est en dessous avec le background qu'on peut renommer background. Voilà. Et là, je peux renommer chacun de mes morceaux. Hein, genre là, il m'en reste plus tant. Fait que lui, c'est la table. Ensuite, j'ai couvercle numéro 1, cover 001. Après ça, couvercle 02, cover 002. Ça va être beaucoup plus facile de me rappeler quel couvercle j'ai fait si je les renomme. Cover 003. Ensuite, celui-là. Cover 004. Là, vous me dites, ah, mais moi, je suis paresseux, je pense pas que je le referais tout. J'aurais tendance à faire un peu la même chose, mais avec l'expérience que j'ai eue, dans le fond, je ne skip plus des étapes maintenant. Parce que par le passé, ben, je me suis rendu compte que ben là, tu te mélanges, tu fais des gaffes parce que t'as pas pris le temps de simplement renommer tes morceaux ou de faire ces petites choses-là comme ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, chacun des cinq covers, eux vont être parentés à la table. Là, je sélectionne la table en dernier et CTRL-P et là, je vais les parenter. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'ils sont maintenant rendus parents de la table? Là, je devrais avoir une hiérarchie, ce qui fait que dans le fond, si je bouge la table dans un sens, les couvercles suivent, les covers. C'est exactement ce qui se passe. On le voit bien. Comme ça. Puis là, je vais faire la même chose avec mon turntable, dans le fond. Ma table que je sélectionne en premier. Mon turntable ensuite. CTRL-P. Et je parente. Non, c'est l'inverse. Turntable et table. CTRL-P. Je veux que dans l'ordre de mon hiérarchie, c'est le turntable qui est en haut parce que c'est ça que je veux bouger. En premier, que lui va tout faire bouger à 360, regardless des animations de mes portes. Fait que mes portes vont suivre la table et la table va suivre le turntable. Bon matin, Chuck! Comment vas-tu? Good morning, je suis en meeting, mais je voulais te faire un coucou et t'encourager silencieusement. Ben merci, c'est super gentil. Toujours apprécié quand tu viens prendre, tu prends le temps de venir nous voir, de venir me voir. Fait que voilà. Donc, là, je sais que je voulais que, dans le fond, ça prenne 10 secondes. Hein, parce que là, on est rendu dans les mathématiques. Je voulais que ça prenne 10 secondes pour faire tourner la table et la montrer de tous les côtés. 10 secondes, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même pas très long, 10 secondes, Arte. Mais, plus que c'est long, bon matin, urgent, ça va bien, toi? Fait que 10 secondes, puis là, on a dit, quand que j'ai seté ma scène, j'ai mis que, dans le fond, j'étais à 25 frames par seconde. Donc, 25 images secondes. Donc, je dispose 10 secondes fois 25, j'ai 250 frames. Et je veux que ma table, elle tourne 360 degrés une fois. Fait qu'on va commencer à intégrer des keyframes. Et on va aller à la toute fin, à 250, pour lui faire une rotation sur les Z à 360. Est-ce que ça va tourner dans le sens que je le souhaite?
Ah, j'ai pas mis de clé. Moses de Nounoun. Hein? Toujours mettre la clé parce que sinon ça se fait pas tout seul. Non, c'est pas sur. J'ai même pas sélectionné la bonne chose. Ça a l'air que je suis sélectionné sur le background. Non, turntable. On recommence. On va remettre une clé sur les Z. Là, 250. On le met à 360. Et single keyframe. On le met du début. Et on essaye l'animation. Il va tourner dans ce sens-là. C'est drôle, moi, Non, j'aime mieux qu'il tourne dans l'autre sens. C'est une question de goût, I guess. Fait que je vais juste le mettre à moins 360 à la place. Puis, comme ça. Ça se passe très bien, mon cher Urgent. J'espère que toi aussi, ça va bien. Je t'apprête, dans le fond, je viens de terminer d'arranger le modèle d'une table faite par Frank de la Quête du Bois. Lui, dans le fond, il fait en fusion 360. Je sais pas si tu as pu voir mes lives depuis que j'ai commencé le projet. Mais en gros, lui, il fait ses tables et ses meubles, dans le fond, avec le programme Fusion 360. Et ça ne lui permet pas de faire un showcase, dans le fond, en 3D, vraiment plus réaliste de son objet. Fait que j'y avais suggéré de m'envoyer un de ses modèles, qui est une table de Donjon Dragon qu'il a lui-même créée. Pardon. Puis, oui, je comprends les emotes animés. Là, je comprends, oui. Oui, c'est toutes les emotes animées. J'ai fait une espèce de compilation, oui. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, cette table-là, moi, je l'ai mis dans Blender pour lui montrer un peu qu'est-ce qu'il peut être fait pour, mettons, avec l'objet avant même de le fabriquer, de lui appliquer les textures. Là, vous voyez tout en gris, je sais. Minute, ça sera pas très long. Pour vous montrer l'objet sans même le fabriquer. Puis on peut même éventuellement, si jamais qu'il n'aime pas la couleur du bois qui a été choisi, ou ben non, montrer différentes couleurs de bois, c'est faisable en juste changeant après ça les textures. Fait que là, j'ai beaucoup travaillé. Oui, ben c'est parce que lui, il modélise en Fusion 360. Dans le fond, c'est comme chacun des morceaux de bois, hein, avec les trous, etc. Mais les modèles sont faits vraiment pour au niveau de lui, pour quand il va découper son morceau de bois, il découpe telle grandeur, il y a toutes ses mesures et tout. Mais quand tu arrives puis que tu prends le modèle pour l'emmener dans un programme pour faire un rendu qui est réaliste, il y a des petites modifications à faire dessus. Ben, premièrement, l'objet, quand tu l'exportes d'un programme à un autre, il est triangulé. Ce qui veut dire, c'est que chacun des carrés a été divisé en deux pour faire des triangles. Et quand tu essayes après ça de faire des petites modifications sur le modèle, c'est le bordel. Fait qu'il a fallu que je le détriangulise. Après ça, il a fallu que j'arrange toutes ces UV. Les UV étant la façon que, dans le fond, la texture va être représentée sur l'objet. Puis après ça, de faire des petites modifications au niveau du mesh, juste parce que dans le fond, hein, lui, dans le fond, dans son programme, ses planches de bois sont vraiment coupées à 90 degrés, les rebords, dans le fond. Mais quand l'objet est fini d'être fabriqué, hein, une table, un meuble, n'importe quoi, il n'y a jamais rien qui est vraiment, vraiment 90 degrés sharp. Puis la lumière va rebondir, dans le fond, sur l'objet d'une façon différente. Quand, justement, avec cette petite arrondie-là sur la planche de bois. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait les modifications sur le modèle pour vraiment aller chercher cette petite courbe-là et montrer, regarde, on voit un petit peu plus comme ça, on voit la lumière qui vient accrocher sur les rebords. Fait que c'est quand même assez important un coup quand on veut faire justement le rendu final réaliste. Là, j'étais après faire l'animation dans le fond de la table qui est un turntable 360. Comme ça. Là, la table tourne à 360 degrés. Puis, je vais faire ouvrir et fermer les portes qui sont là pour montrer que c'est des choses qui peuvent être ouvertes et fermées. Éventuellement, si jamais Frank décide de mettre d'autres features qui sont animées un petit peu plus dessus, comme, mettons, une porte en dessous, des tiroirs, etc. C'est des choses qui vont pouvoir être montrées aussi pendant l'animation. Là, je t'ai après placé ma caméra, dans le fond, pour que ça soit bien centré sur l'objet. J'ai pas besoin d'aller chercher trop de background. Hein? Le background, c'est pas ça qui est important. On veut vraiment voir l'objet en gros.
Comme ça. Fait que là, on voit la table qui tourne à 360 degrés. Puis si on veut que ça soit une animation qui est continue, qui n'est pas... Parce que dans le fond, quand on crée une animation, il y a différentes façons que l'animation va commencer. Et original, la table aussi. Oui, c'est ça. C'est Frank de la Quête du Bois qui l'a tout conceptualisé au complet. Dans le fond, c'est que ça, c'est la section pour le DM. Ici. J'ai l'impression qu'il me manque des planches de bois ici. Je suis pas sûre. Hein? En tout cas, je revérifierai le modèle, là, mais il me semble qu'il me manque des planches de bois. En tout cas, fait que ça, c'est la section DM. Puis après ça, tu as la section des joueurs. Qui est là. Mais oui, il me manque des planches de bois. Fait qu'on va tout de suite aller régler le problème. Je vais aller les rechercher deux. Comme ça. Je me souviens très bien que ces planches de bois-là étaient là. Fait que je vais juste copier, Shift-D, tourner ça comme ça et aller positionner ça à l'entrée pour réparer mon erreur. Je pense que je les avais délités parce que j'avais copié, mais j'ai l'impression que ça n'a pas embarqué. Fait qu'on va le placer... Je viens de voir là qu'il y avait un petit trou. Désolé pour ça. On va replacer la patente. Le mettre à la bonne place. Voilà. Ça va faire beaucoup plus complet. Ouais. Il y avait ça devant. Je sais qu'il disait qu'éventuellement, ça se pourrait qu'il rajoute des tiroirs sur les côtés, mais il n'y avait pas été plus loin que ça encore dans la création puis tout. Fait que c'est pas mal comme le modèle de base. Comme je disais au niveau de l'animation, c'est que dans le fond, il y a une courbe. Si vous connaissez un petit peu les graphiques, dans le fond, on peut aller en animation. Quand on fait une animation, il y a différents types de courbes. Comment que l'animation va commencer, puis comment qu'elle va terminer. Tu as la ligne droite, qui va être vraiment comme ça, là. Il commence... One shot, toute la même vitesse jusqu'au bout. Mais en règle générale, quand tu commences une animation, il va commencer comme... il va y aller lentement avant de partir. Puis quand il arrive au bout, il ralentit. Un peu comme un auto qui accélère, puis un auto qui ralentit. L'animation de base, elle va être ça. Fait que moi, j'ai arrangé l'animation pour qu'elle soit pareille tout le tour. Voilà. Là, la deuxième animation qu'on va aller faire, ça va être les... couvercle qu'on a déjà parenté à la table qui devrait suivre ensuite. Donc là, on va juste ouvrir. Et là, l'important, ça va être de positionner les points de pivot de chacun des couvercles pour permettre que ça ferme correctement. On va aller en mode edit. On va commencer par le relever, le morceau, parce que là, je n'aime pas du tout ce qui est placé. Je ne vois rien. Je vais... Ah non, je peux pas le relever comme ça. Fait qu'on va changer d'idée. Je vais cacher la table. Parce que si je le bouge, après ça, je vais changer son point de pivot puis je pourrais plus le replacer à sa place comme je veux. Fait que je vais juste cacher la table pour me faire de l'espace de vue. On va en mode Edit. On va aller chercher le Edge qui est vraiment celui qui va servir de point de pivot. Moi, je sais que c'est celui-ci. Frank me l'avait dit que c'était ce point de pivot-là. Normal. Puis là, dans le fond, je veux essayer là, que mon point de pivot soit placé, qu'il y ait au moins une des axes qui est exactement aligné avec le edge qui est là. Alors, si je regarde là, en global, mon point de pivot est tout croche. En local, il veut pas. Fait qu'on teste. En normal... Il me le met correct. J'ai un des axes qui est Y, que l'axe est vraiment bien aligné avec le edge comme ça. Fait que ça va me permettre après, quand que je vais venir pour le bouger, je vais pouvoir le fermer comme faut dans ce sens-là. Parce que la porte va bouger vraiment juste d'un sens. Fait là, je vais ensuite sélectionner mesh. C'est-tu select ou c'était mesh? Mesh snap. Cursor to selected. Ça met mon curseur là. Et ensuite, objet. Set origin au 3D cursor.
Ouais, là, il me fait suer, là. Pourquoi est-ce que tu me le mets pas comme faux, mon espèce de toi? Il veut rien savoir. Pourtant, je t'ai dit de mettre le curseur là. Mesh, snap cursor to selected. Ah, c'est parce que mon curseur, il me l'a quand même mis tout croche. View. On va essayer de tourner le curseur à 60 degrés, voir sur les Z. Est-ce que ça va donner ce que je veux? Nope. 120 degrés? Bon, là on le voit là, regardez mon curseur, il est ici là, c'est l'espèce de petit rond quadrillé qui est là, avec la ligne comme ça. Là il est bien, parce qu'il a pas voulu le tourner comme je le voulais. Cursor to selected, hop, objet, set origin to 3D cursor. Puis il veut toujours pas me le mettre dans le bon sens, hey ça a pas d'allure. Va-tu falloir que je copie la porte à nouveau? C'est pour ça que généralement, quand on fait un objet, on essaye de le faire dans. Tu sais, vous voyez, là, il est en angle de même. Ça, quand que je travaille, d'habitude, j'aime ça que tous mes morceaux soient bien alignés sur un axe ou sur un autre pour après ça jouer avec le point d'origine. Puis après ça, j'ai plus de problème. Parce que regardez, là, comment est-ce que ça me cause des problèmes. Parce que là, dans le fond, si j'essaye de le tourner, lui-là, là. Puis que j'ai dit, ah, ben moi, je veux que tu me le tournes par là. Regardez comment est-ce qu'il me le met tout croche. Ah, ben, ça va le tourner par là. Ou ça va le tourner par l'autre bord. Puis là, faut que tu joues sur deux axes pour essayer de le faire tourner comme tu veux. Hein? Je suis obligée. Même à ça, là, c'est pas génial, génial, là. Vous le voyez, là. Ça donne pas ce que je veux, hein. Faudrait que je le tourne quasiment dans tous les axes. C'est le bordel. Fait que je vais jouer avec cette porte-là, que cette porte-là est vraiment alignée dans les axes avec les X. Elle, on va peut-être pouvoir être capable de faire quelque chose qui a de l'allure globale. On va aller sélectionner le edge qui est celui-là. Mesh, snap to selected. On va enlever la rotation que j'y avais donnée. J'en veux pas de ta rotation, ça donne rien. On sort du mode Edit, Objet, Set Origin, to 3D Cursor. Là, regardez la différence, hein. Là, quand je vais venir pour le fermer, je ne bouge que les X pour permettre une fermeture parfaite. 110, 112. À plat, c'est quoi à plat complètement? C'est ça, c'est l'autre chose qu'on va voir. 113, il n'est pas à plat. 114. 113,5. Il était pas tout à fait ouvert avec un angle exact. Fait qu'on va essayer de lui donner un bon angle. Non. 113, ça disait quoi comme rotation? Parce que tout de suite, là, j'essaye d'aller chercher le bon angle. 0.1, ça va être long, mais après ça, on va être capable d'utiliser ce chiffre magique-là pour toutes nos autres rotations ensuite. 0.4. Ah, ça, c'est pas mal droit. Bon, fait que 113,4 est le degré de rotation. Là, lui, il est correct. Fait à partir de là, je vais devoir, si je veux être capable de faire tourner mes portes comme il faut, je vais devoir les copier pour aller remplacer les autres qui sont là. On va enlever la rotation de 113,4. On va essayer de se souvenir de ce chiffre-là, 113,4. Puis on va aller copier ce morceau-là, Shift D, que je vais tourner. Là, oui, je sais, il reste ça comme il laisse pas dans le bon sens, mais si je vais en local, regardez comment est-ce qu'il tourne. Au bon angle. Là, on va pouvoir y mettre l'angle à 60 degrés. Comme ça. Puis je vais aller le positionner par-dessus pour qu'il soit à la bonne place. Et ce coup-ci, je ne toucherai pas au point de pivot
parce que je veux qu'il reste comme tel. De toute façon, ah, là, il a de l'air bien. Excellent. Fait que je vais enlever le couvercle qui est en dessous. Il était le couvercle 001. Puis celui-là, on va le renommer avec le bon chiffre qui remplace. Donc là, je ne touche plus au point de pivot. Je ne touche plus à la rotation. Je veux qu'il reste comme ça. Fait qu'on va faire la même chose. Shift D. On le tourne à 60 degrés. Et on s'en vient le placer au bon endroit. Par-dessus. Ça va être beaucoup plus simple de faire ça comme ça que d'essayer d'aller chercher le point de pivot au bon endroit, etc. Comme il veut rien savoir. Hop. Comme ça, on va enlever l'autre qui est en dessous. On le renomme. Toujours important quand on est avec des pièces qu'on veut faire bouger. Comme ça, la pièce d'origine était celle-ci. On va l'utiliser à nouveau. 120 degrés. Hop. On s'en vient par-dessus. On le positionne. Comme ça. Et hop. On enlève. On renomme. Et une dernière fois. Shift D. Que lui, il va être à 180 degrés viré de l'autre côté. Et on le place par-dessus. On va se rapprocher un petit peu. Voir ce qu'on fait. Hein, quand ça fait des drôles de look de même, là, c'est un bon signe comme quoi qu'il y est pas mal par-dessus. Couvercle 005, on va l'enlever. Là, comme je disais, on va devoir probablement les replacer comme il faut sur la table. Bon. Là, on veut pas qu'ils ferment tout en même temps. Enfin, on se souvient, 113.4, je pense qu'on avait dit. 113.4, la rotation. Enfin, on va ressortir la table. Puis, on va commencer. Là, le turntable se fait comme ça, dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. Dans le fond, on pourrait les faire ouvrir et fermer deux fois chaque. Celle-là, on va la faire ouvrir et fermer une première fois. C'était dans quel sens qu'on la faisait fermer? C'était dans le sens des... Non, dans les sens des X. Et voilà. Ben, on va mettre une clé juste sur les X. Hein? On n'a pas besoin des autres. On veut vraiment que ce soit juste les X qui bougent. On va avancer un petit peu dans le temps. On dit 113.4, me semble, la fermeture. On met une clé. Et on va ajuster l'interpolation pour que ça soit linéaire. Et on va la faire réouvrir. Hop, à zéro. Insert single keyframe. Fait que là, elle va ouvrir et fermer. Et on va pouvoir faire ça avec chacun des morceaux comme ça. Là, la seule chose qu'il va falloir qu'on s'assure, c'est que lorsqu'elle est fermée, est-ce que elle couvre bien le trou? Ou est-ce qu'elle est un peu déplacée? Non, celle-là semble bien placée. Il n'y a pas trop de superposition. Hein? Fait qu'on peut la laisser comme telle. Prochaine porte. Je veux que la prochaine porte ouvre au moment où elle allait terminer de fermer. On va y mettre une keyframe là. On avance encore de 10 frames. On ferme. 113.4. Fermé. Single keyframe. On revient à 40. 0. Single keyframe. On place l'interpolation à nouveau. Qu'on veut que ça soit une ouverture et une fermeture constante. On veut pas que ça fasse drôle de truc. Ça. Là, on va voir encore une fois si un coup fermé, celui-là, il est bien placé dans le trou. C'est très, très bien. Je suis très satisfaite. On vient au prochain. Après ça, la prochaine, à nouveau, dans les X, une keyframe.
On avance de 10 frames. Hop. 113.4, le chiffre magique. 10 frames encore. On revient à 0. Un autre keyframe. Et encore une fois, on vérifie que le morceau est bien positionné au-dessus du trou. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que je voulais pas mettre de keyframe sur les autres? C'est parce que là, justement, si j'ai besoin de bouger quelque chose, sa position dans l'espace, ça ne s'enregistrera pas comme un keyframe. La porte, je dirais, la tasser un petit affaire sur les X comme ça. Parfait. Voilà. Fait que là, elle ouvre et elle ferme. On fait la même chose avec l'autre porte. Dans les X, une première keyframe. Son animation commence là. 70. 113.4. Insert la keyframe. On vérifie. C'est parfait. On la rouvre ensuite. On insère la keyframe parce que ça s'est pas fait toute seule. Je pourrais aussi utiliser le automatic keyframe, mais l'automatic keyframe va mettre des keyframes sur tous les axes dans la rotation. J'en veux pas. Fait que c'est pour ça que je le fais à la mitaine. Voilà. La dernière petite porte. Pour sa rotation ici. À 90. 113.4 encore. Insert la keyframe. On s'assure qu'il est bien placé encore. Oui, parfait. Excellent. On la remet à 0 et on rouvre. Voilà. L'interpolation. On la remet à linéaire. Comme ça. Fait que là, dans le fond, pendant l'animation, les portes rouvrent et ferment. Hein? Ça fait quand même assez cool. Là, si j'aurais d'autres morceaux, si j'avais d'autres morceaux, comme un tiroir qui ouvre et tout, je pourrais faire la même chose. Pendant que la table tourne, tu vois les morceaux qui ouvrent et qui peuvent bouger, dans le fond. Fait que là, dans le fond, si je pèse sur Spacebar, on va voir l'animation. Est-ce que c'est en temps réel? Je crois que oui. Fait qu'on le voit en temps réel. Qu'est-ce que ça donnerait? Là, pour pas que l'animation reste plate comme ça, je vais le faire fermer et ouvrir une autre fois. Comme ça, c'est une façon de le montrer. Puis tu sais, je pourrais aussi les rendre un petit peu moins rapides, etc. L'ouverture. Ça fait quand même assez cool. Là, c'est sûr, on le voit pas avec la couleur dans le moment, parce que si j'essaye de faire l'animation avec la couleur, ça va en demander un peu plus au processeur. Et on le sait, en mode dans la vue comme ça, ça va être très pixelisé. Donc, pas très agréable à l'œil à regarder. Même pour moi, ça sera pas super le fun. Donc là, si je veux répéter l'animation de mes portes, je vais juste aller à la dernière porte, voir c'est quand elle termine son animation. On était à 100. Là, je peux aller sur ma première porte et lui dire, regarde, je veux recommencer. Ce que tu fais, fait que je les sélectionne toutes les trois points, les trois clés, et CTRL-V, ça va me les mettre à la bonne place. Comme ça, je vais juste les positionner correctement. Donc là, si je refais l'animation, la porte 1 ouvre, 2, 3, 4, 5, et ça revient, 2, ainsi de suite. Ça va ressembler à ça. Fait qu'à la fin de celle-là, on va reprendre la porte numéro 2. CTRL-C, CTRL-V. À la fin de l'animation, on peut faire la même chose que celle-là. CTRL-C, CTRL-V. On s'en va à 160. La quatrième porte. CTRL-C, CTRL-V. Pas trop vite, parce que le programme n'aime pas ça quand on essaie d'aller trop vite. À la fin de l'animation encore. CTRL-C, CTRL-V. Là, si on repart l'animation au complet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que ça fait moins plate. Fait que là, par le temps qu'on a reach un tour, la fin de l'animation, on a tourné à 360 sur tout le tour de la table. Comme ça.
Enfin, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on les refait fermer encore et ouvrir? On pourrait même s'amuser puis toutes les faire fermer et ouvrir une dernière fois, tout ensemble. Puis que ça termine l'animation, mettons, autour de 240, 220. Hein, ça pourrait être drôle, les faire tout ouvrir et fermer tout ensemble une dernière fois. Hop. Hop. Non, pas trop vite. Pas trop vite. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Fait que ça donne une animation qui est plutôt complète. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Et tout en même temps. Et on recommence. Fait que l'animation peut être jouée en loop aussi. C'est quand même assez le fun. Là, ben, pour donner une idée du résultat final, mettons si on veut voir l'image avec la couleur. Mais la table, elle ressemble à ça. Puis on voit les ombres, on voit un peu tout. La table est pas mal comme ça. Voilà. Puis là, je vais vous épargner de faire le rendu de l'animation parce que ça risque de prendre plusieurs heures de faire ça à cause que c'est un look très réaliste, à cause du reflet de la lumière, etc. La seule chose que je vais faire, c'est positionner, savoir c'est où que je vais envoyer les images de rendu. Par la suite, je vais aller mettre ça dans le bon dossier. Comme ça, on va créer. Ben là, vous ne le voyez pas à l'écran. Render 001. Comme ça, table prank 001. Ben non, en fait, on ne mettra pas de chiffre dans le nom du rendu. Et voilà, là, je vais être prête. Quand que ça va être possible. Regardez, là, quand je vous disais d'essayer de faire animer pendant qu'il y a de la couleur, là. Regardez ce que ça donne. On voit pas grand-chose au final de l'animation, hein. C'est très, très, très pixelisé. Ça n'aime pas ça. Ben, ça me donne une idée quand même au moins du rendu final. Là, tout ce que je voulais voir dans le fond, c'est que s'il était bien cadré, puis s'il y a des places qui sortent du cadrage, mais pas du tout. On voit pas non plus le turntable qui est en dessous. C'est parfait. Voilà. Ben, pour ça va être terminé. On va sauvegarder le tout et je vais pouvoir lui faire son rendu plus tard. Ça va être quand même assez long comme j'ai 250 frames. Ça risque d'y prendre une bonne heure facile. Enfin, on ne veut pas passer le reste du live à faire un rendu, je pense. Fait, maintenant que c'est sauvegardé, on va pouvoir sauter sur une prochaine chose. Je vais commencer à faire un loop. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien, parce que j'ai Willix the Wolf qui m'a demandé de commencer à lui faire des emotes. Et je dois commencer à modéliser un loup. Un peu style animé. Fait qu'on va commencer ça. On va faire un nouveau projet. Je vais aller chercher mon fichier d'origine que j'utilise tout le temps, qui est un Basic Emote Setup. Et je vais pouvoir vous montrer un peu tout ce que je fais à partir de là. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier où mon HDRI, mon image qui sert de l'extérieur pour faire le rendu, est déjà placée. Les liens sont déjà tous bien connectés et tout. Parce que dans le fond, ça me permet de partir tout de suite à partir d'une scène qui est déjà toute préparée au lieu de devoir repréparer fois après fois à chaque fois que je fais un emote, que dans le fond, j'utilise ça. Ça, c'est dans le fond, ma marque de commerce. Parce que si jamais je veux faire les emotes comme que je vous avais vu sur mon site web, si je les mets direct sans avoir mis ma marque de commerce et j'envoie ce message-là à tous les artistes là dehors, si vous mettez vos œuvres sur Internet, s'il vous plaît, mettez votre marque de commerce dessus parce que même les GIFs peuvent être volés. Fait que c'est pour ça que
Je fais ça même pour mes gifs animés. J'ai ma marque de commerce qui entre directement dans ma vue quand que je fais le rendu de mon emote. Donc, c'est ça. J'ai ma scène qui est déjà positionnée avec ma marque de commerce qui est là, que je peux cacher pendant que je travaille. J'ai aussi mon HDRI qui est déjà placé, ce que je disais tantôt, qui est littéralement mon environnement alentour. Regarde là, il est transparent en temps normal, vous ne le voyez pas, mais j'ai déjà mon environnement qui est placé, qui ça sert dans le fond à envoyer les rayons de lumière sur mon objet pour le rendre plus réaliste. Là, je le mets en transparence parce que dans le fond, je ne veux pas avoir ça au rendu final. Et l'autre chose que j'ai déjà de placer, c'est au niveau de la composition, parce que Blender est un programme qui est merveilleux. C'est qu'en temps normal, quand on fait un rendu d'un objet, d'une scène ou whatever, il va être pixelisé. Si on veut pas avoir trop de pixels dans notre rendu, il faut à tout prix qu'on mette une résolution vraiment haute. Et plus de résolution, évidemment, veut dire un temps de rendu beaucoup plus long. Hein? Parce que je suis comme le path tracing ici, si on le voit, le sampling, il faudrait que je monte ça. Pareil, comme je pourrais monter le path sampling de mon viewport, qui est ça ici, le viewport, mais ça en demanderait beaucoup plus à mon ordinateur, inutilement, le faire surchauffer, etc. Donc, au lieu d'en demander trop pour même au niveau du rendu qui demanderait encore beaucoup plus de temps, le programme a lui-même un denoiser à l'intérieur pour enlever cette pixelisation-là. Fait que moi, j'ai déjà tout placé ça parce que de base, il n'est pas comme ça. C'est comme une espèce de truc à arbre avec des nodes puis tout. Fait que moi, il est déjà placé. Fait que c'est toutes des choses que si je commence une nouvelle scène de scratch, comme on dit, faudrait que je replace le tout, aller chercher, aller placer le denoiser, aller mettre le bon render, placer le render cycle à la bonne chose, placer mon rendu, placer la résolution, etc. C'est toutes des choses qui sont déjà préparées dans ma scène de base, qui est le Basic Emote Setup. Donc, je vais juste le renommer tout de suite. Comme ça. Je vais aller le renommer. On va créer un nouveau dossier. Voilà. Non, j'ai pas pour sauvegarder à la bonne place. J'ai tapé Enter deux fois pour rien. C'est ça. Ça n'a pas sauvegardé où je voulais. Je vais aller à l'intérieur. Bon. Emote. Ouf, on va l'appeler comme ça for now. Save. Alors, on est encore en brainstorming sur des idées d'emotes animés que Willix aimerait. Ben, on en a déjà trois qu'on a déjà dans l'idée. Mais de base, il va devoir que je vais devoir modéliser un loup pour commencer. Ça, c'est sûr et certain. Puis pour avoir un beau loup, ben, je vais commencer. J'ai déjà été chercher des images de référence pour prendre un petit peu d'avance, si on veut. Fait que je vais enlever le cube, créer tout de suite une nouvelle collection. On va appeler Objects. Comme ça. Et ça va être on va aller mettre aussi une nouvelle collection qui, ça va être nos images de référence. Reference Images. Voilà. Puis on va tout de suite aller chercher les images de référence que j'ai. Image, référence. Voilà. Ah, reference images. Et on va aller chercher le loup. Lui est de côté. Fait qu'on va le mettre du bon côté. Sur les Z, 90 degrés. C'est un loup vraiment plus modèle 3D. C'est pas un loup réaliste. C'est un loup vraiment plus cartoon. Qui ressemble, moi je trouvais qu'il ressemblait un peu aux emotes de Willix. On va aller chercher ça. On va aller chercher l'autre image de référence aussi que j'avais trouvée. Comme ça. Qui est l'image de front. On va juste la positionner correctement. Sur les X, 90. Voilà. Et 0. Ça va ressembler à ça. On va enlever la caméra de notre angle de vue. Hein. Ça, c'était notre caméra qui était là.
Puis on va pouvoir se donner une idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai malheureusement pas été capable d'aller chercher plus d'images que ça. J'aurais aimé aller en chercher plus que ça, mais bon, on va y aller avec ce qu'on a. Je sais que ça, c'est ici à peu près la largeur qui est là. Fait que ça devrait être pas si mal. On va réussir à faire quelque chose de pas pire avec ça. Fait, par quoi est-ce qu'on va commencer? J'ai envie de commencer par le body. Commencer par la forme principale du corps. Comme ça. Est-ce qu'on va y aller avec un cube? Puis après ça, on rajoute. Hein, comme j'ai dit l'autre fois, quand j'ai modélisé Eevee, il a bien sorti, mais c'était mon premier quadrupède. Là, ça, c'est le deuxième. Donc, ça va rester un défi pour moi. Parce que je suis pas encore habituée. On peut pas dire qu'on est habitué après avoir fait un seul objet, n'est-ce pas? Mais on va y aller avec le. Ben, c'est ça. On va y aller tranquillement, pas vite. Puis se faire confiance un petit peu plus. Voilà. Oups, là, j'ai pesé sur un avant de tomber en mode transformation, en mode edit. Là, je vais juste positionner mes vertex. On va faire une forme de base très, très crue, très, très carrée. Puis on va y rajouter des morceaux par la suite, comme on a toujours fait avec nos modèles jusqu'à maintenant. Là, je veux vraiment aller chercher juste le corps. Comme ça. Comme ça. Ah, on va venir chercher la courbe là plus tard. Comme ça. On va aussi aller tout de suite chercher à peu près l'épaisseur des épaules. Là, je veux juste voir si j'ai pas pire. Bon, j'ai pas pris la bonne affaire. Je voulais te tasser, espèce de photo de tweets. Merci. Ben, je vais essayer de positionner qu'il soit à peu près là, la même dimension. Pour être sûr, là. L'oreille tombe pas mal à la même place que l'oreille. Je sais que ça sera pas parfait. La patte tombe à peu près à la même place. Fait que je pense qu'on est pas mal en business. Comme ça. Qu'à partir de là, on va aller chercher l'épaisseur des épaules. On avait dit que c'était à peu près ça ici. La largeur. Puis lui est à peu près là. Moi, je sais, il est vraiment pas centré, mais nous, quand on va le faire, après, on va vraiment le centrer plus que ça. On travaille toujours sur une moitié, fait qu'on va aller séparer le modèle en deux et le déliter l'autre moitié. Faces. Voilà. Et on va continuer à travailler. On continue d'aller chercher vraiment les bases vraiment les plus primitives possibles pour après ça aller chercher plus de détails. Quand on fait notre modèle de base, on y va vraiment dans le simple, le plus qu'on peut. Comme ça, on peut positionner vraiment juste pour suivre la bonne forme. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-là. Là, on va avoir encore des edges à enlever. Pas des edges, des faces, pardon, à enlever. Mais on va continuer comme ça. On y va dans le très, très cru. Très, très basic. Juste aller chercher la forme de la tête. Grosso modo, hein, la tête est à peu près comme ça. Oui, là, je sais, on va aller chercher plus de sous-division après. Pour aller y faire son nez. On va enlever les faces à l'intérieur qui sont là, qu'on n'a pas de besoin. Parce que quand on va venir pour faire notre miroir, ça se fonctionnera pas. OK, après ça, on va aller chercher la patte. Comme ça. Allez, chercher la patte. Ah, on a déjà un bon angle. Patte, patte, à peu près. Le bas le derrière du corps, je ne sais pas si on va en avoir de besoin, mais moi, je vais le modéliser là, pas mal dans son entièreté. D'un coup, que on a besoin
de sa queue, etc. Ben, on va faire tout ça pas mal. Comme ça. Aller chercher sa patte. Hein, vous voyez que je suis quand même un petit peu la forme. Comme ça. La patte là. Et on sort la patte sur le devant. On va faire l'arrière-train. Donc on va rapetisser un petit peu. Que ça, ça va être la queue. Non, pourquoi? Juste descendre. Merci beaucoup. Comme ça. On tourne. On descend. Encore une fois, on y va dans le cru. On tourne. On l'extend encore un peu. Et voilà. Et on a un semblant de loup. Comme ça. Au niveau de la tête, je pense qu'on va... Est-ce qu'on va la déconnecter, la tête, pour être capable de l'attacher par la suite? Je pense que oui. Parce que on le sait, hein, la tête va avoir besoin de beaucoup plus de polygones. Et les patounettes aussi. Enfin, on va détacher ça. Split. En le séparant. Non, c'est pas ça que je veux faire. En séparant, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné. Voilà. Il est séparé. Là, je vais aller y acheter une petite sous-division comme ça pour aller y sortir le nez. Comme si c'était son nez. Évidemment, on enlève le morceau qui est à l'intérieur, face. Là, on a déjà un semblant, là. Ah, on a un semblant chien, loup-ish. On va falloir aller chercher les oreilles aussi down the line. Mais on va commencer par ça. Petit morceau à la fois. Là, si on veut se donner une petite chance, on va littéralement le séparer. Qu'on va lui donner un autre nom. Head. Ça va être L body. Body. Puis, les pattes arrière, les pattes avant. Les pattes avant, surtout, il va falloir les déconnecter aussi. Est-ce que je déconnecte la patte dans son entièreté? Non, ça va être juste le petit bout en bas. Ah, parce que l'autre fois, on avait connecté ça à ce niveau-là, au niveau de la cheville, pour pas qu'il y ait trop de subdivision au niveau de la patte. Donc, on va split et separate. Front paw. Comme ça. Et la patte arrière, qui va être un peu le même concept. Split et separate. Que celui-là, c'est rear paw. Voilà. Là, je viens de remarquer que tous mes objets sont pas à bonne place. Fait qu'on va aller changer mes objets, les mettre dans la bonne catégorie. Hein, on se souvient pourquoi est-ce qu'on avait fait ça. Dans le fond, c'est simplement quand on veut travailler sans avoir une catégorie d'objets dans le visage, on est capable de les cacher facilement. On va juste renommer les morceaux. Ça, c'est le side view. Et ça, c'est le front view. Voilà. Comme ça. OK. Fait que là, on va cacher la patte avant, la tête et la patte arrière. Puis, on va se concentrer on the body. Maintenant qu'on a fait pas mal le côté et un petit peu plus... Maintenant qu'on a fait... voyons, je vais trouver mes mots. Je suis désolée. Maintenant qu'on a fait la base, voilà. Là, on sait, la queue, là, il n'y aura pas une double queue. Hein? Un loup, ça n'a pas de double queue. On va enlever ça. Et on va placer que tout ça soit vraiment au milieu. Comme ça. On va s'arranger pour que ça soit vraiment in the middle. Parce que, comme je dis, le loup, il y a une seule queue que, dans le fond, on a divisé en deux. Juste pour modéliser la moitié du modèle. Puis en faisant en faisant nos modifications,
nos scales. Dans le fond, ça a comme tout rapetissé sur tous les axes parce que j'ai pas spécifié de me scaler ça sur juste un axe. Là, on va juste tout reprendre. Il va falloir que je fasse pareil avec la tête parce que regardez la tête, comment est-ce qu'elle est tassée. En fond, je pense que je vais le faire tout de suite. Puis après ça, mettre un scale sur l'axe, la bonne axe. Comme ça. Hop! Hop, 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 hop. Et là, on va pouvoir aller sélectionner toutes les vertex qui sont dans le centre. Scale X, 0. Puis là, ils sont parfaitement droits. La seule chose, le modèle n'est pas positionné sur le milieu. On va juste tout déplacer pour qu'il soit vraiment dans le centre, comme il faut. Comme ceci. Puis là, comme l'autre fois, on va pouvoir s'amuser à aller tout de suite mettre les modificateurs pour voir où est-ce qu'on s'en va quand c'est modifié. Fait qu'on a la subdivision. On va juste y mettre un shade smooth. Shade smooth, j'ai dit. Merci. Une subdivision. Et on va lui mettre un miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. Et là, on voit que le milieu, il n'est pas parfaitement dans le milieu. Fait que ça nous cause des problèmes au niveau de. Ça nous cause des problèmes pour la connexion des deux côtés. Comme ça. Fait que là, on va aller chercher les. Bon, j'ai une vertex ici que j'avais pas mis dans le portrait. Elle aussi va y aller. Elle aussi est censée se connecter. Comme ça. Bon, là, je m'en vais tout croche. J'ai dit en vue de dessus, s'il vous plaît, merci. Et on va juste tout prendre encore une fois les vertex qui sont dans le centre. SX 0. Et le tasser jusqu'à temps qu'on voit que c'est tout bien connecté. Parce qu'on ne l'a pas tout à fait placé sur la ligne. Comme ça. Ah, est-ce qu'il me reste un polygone qui n'est pas placé? Non, ça va. Puis on va augmenter son clipping à 0,03, pas trop. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te connecter, mon espèce de toit? Hein? Quand il arrive quelque chose comme ça, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il veut pas se connecter. Il y a quelque chose qui fait pas son bonheur. 0,005 peut-être? On va essayer voir à 0,005. Parce que moi, ça me donne pas mal sa ligne du centre. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est déjà très, très bien. Comme ça. Quelque chose que je vais faire, c'est que là, on voit ici. Le poitrail du loup, on va enlever la transparence. Le milieu est vraiment très, très carré ici. Hein? Il est très pointu. On ne veut pas quelque chose de pointu comme ça. Fait que là, ça va être le temps de commencer à rajouter des sous-divisions. La queue, elle est très, très bien. Il va falloir qu'elle soit un petit peu plus fluffy dans le milieu et un peu plus pointu vers en bas. Pas besoin d'être parfait non plus, mais bon, on a déjà une bonne idée. Mais au niveau du poitrail, là, cette portion-là va être vraiment plus importante parce que dans la majorité des emotes, on voit la tête et on voit le poitrail et les pattes avant. Enfin, on va aller bouger tout ça pour que ça soit beau. Ou qu'on va ajouter. Je pense que je vais prendre la ligne du centre et je vais. Lui faire un bevel, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là avec ton bevel? D'habitude, on ne l'utilise pas pour ça. Mais je pense que je devrais être capable d'aller chercher une doublure. Non, ça veut pas. Ça fonctionnera pas comme ça. Tout, tout, tout. J'essaie des choses, hein. Des fois, là, même si on est quand même expérimenté, regardez, là, ça veut pas. Bon, faut que cette option-là n'est pas dans les cordes. Ça va être d'ajouter. Ah, je pense que je sais, je viens de trouver comme idée.
On va resélectionner toutes les edges qui sont dans le milieu. Donc là, je sélectionne n'importe quoi. Comme ça. Et on va extruder un petit peu, juste dans ce sens-là. Hop! Comme ça. Et on va retasser le tout. Pour que ça soit vraiment sa ligne du centre, on remet le miroir. C'est parfait. Et ça vient aller chercher un petit peu plus la courbure qu'on voulait. Hein? Là, on le voit un peu mieux. Regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Puis là, on va pouvoir bouger les pattes. Les coins des pattes qui sont ici, je pense qu'on va les tasser un peu vers l'intérieur avec le edge du poitrail. Je pense qu'en fond, on va pouvoir le faire là sur toute la ligne au complet ici. Comme ça. Est-ce qu'on a sélectionné ceux en dessous? Non, on faut le sélectionner ceux-là en dessous aussi. Comme ça. Et la portion du devant. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu plus de définition au niveau du poitrail. Et aussi l'entrejambe, hein? Parce que l'entrejambe aussi n'est pas à oublier. Hein? Ça a déjà beaucoup mieux ici au niveau de la courbe qui est là. On va enlever la transparence pour voir vraiment où on s'en va. La courbe entre les jambes, c'est vraiment mieux. Là, une chose qu'on va avoir besoin de plus, on le voit ici, hein, le tronc, il y a très gros carré ici. On va commencer à le sous-diviser un petit peu là. Parce que lui est un petit peu trop. Comme ça. Et on va positionner aussi les edges pour qu'ils soient un peu plus égales sur son dos. Pour éviter que ça nous cause des problèmes avec les sous-divisions et les déformations par ensuite. Donc, on va juste égaliser le tout. Tu sais, tantôt, là, quand je vous disais, on va enlever l'image de dedans, notre vue. Puis on va enlever la sous-division. Comme ça. Puis on va aller chercher les edges. Puis on va les repositionner tranquillement pour qu'ils soient vraiment là, bien placés, le plus possible et égal. Là, si j'y mets une sous-division, qu'est-ce que ça dit comme ça? Ça dit que ça fait quand même quelque chose de très, très bien, là. C'est sûr, au niveau de la queue, hein, la queue, là, on le sait bien, là, ça sera pas plat comme ça. Ici non plus. Il va falloir le rentrer un petit peu par en dedans. Comme ça. Hein? Parce que la queue, elle n'est pas... comment dire? Elle n'est pas plate. Hein? C'est, ça ne part pas large comme ça à la base. Fait qu'on peut... Peut-être dans, même encore mieux, là. Je vais aller chercher les vertex de cette rangée-là en enlevant celle... du centre, je ne veux pas toucher à celle du centre, vraiment pas. Scale dans les X un petit peu, puis après je vais aller les tasser, celle-là seulement. Comme ça. Pour aller chercher le fait que la queue de la bestiole commence petite, hein, elle commence un rond, comme ça, puis elle s'en va en grossissant jusqu'à finir à pointe de la queue. Ensuite, on va faire la même chose ici, avec ces vertex-là ici. Mais celles-là, on va les grossir un petit peu sur les X. Bien, bien important. SX, parce qu'on ne veut pas que ça l'affecte dans les autres axes. C'est vraiment sur la largeur qu'on veut que ça vienne modifier. Et au niveau de la pointe de la queue, on va pouvoir aller jouer avec un peu. Aller... le remonter un peu, comme ça, et aller chercher un peu plus la pointe, comme ça, pour aller donner ce petit look pointu-là un peu plus, comme ça. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Là, Esther, il va nous rester à enlever l'aplatissement de la queue, parce que là, la queue, elle est vraiment plate. Et elle est dans le sens des Y, là, elle est vraiment trop aplatie. Là, on va aller chercher les bonnes vertex. Hein, moi, je ne veux pas la grossir plus que ça. Je pense qu'on va y aller avec ceux-là. S, Y, dans ce cas-ci. Et on va leur rentrer un peu à l'intérieur. On va faire un peu ça. Celle-là,
On va essayer de juste l'escaler une vers l'autre, voir si c'est vraiment bien. Ça donne quelque chose de bien. Je m'attendais à pire que ça, mais ça m'a donné quelque chose pas mal de que je voulais. Et je peux aller chercher les vertex qui sont dans le centre. Je sais, on touche pas d'habitude à celles qui sont dans le centre, mais là, on va les bouger juste sur les Y. Pas sur les X. On va pouvoir même aller rajouter une rangée là, qu'on va aussi grossir sur les Y pour donner un effet un peu plus fluffy. Là, si on y met sa sous-division, sans voyons, l'invisibilité, pardon, sans les rayons X, on va pouvoir aller voir qu'est-ce que ça donne. Hein? C'est déjà très bien. Moi, je trouve qu'elle est très jolie comme ça. On va voir avec l'image en arrière. L'image en arrière disait qu'elle était à peu près cette grandeur-là. Fait qu'on est satisfait. On est vraiment satisfait. Au niveau des pattes, on va pouvoir rajouter aussi un petit peu plus de sous-division. Je pense qu'on va même rajouter une sous-division dans ce sens-ci. Comme ça. On va rajouter une sous-division là et une sous-division là, comme ceci, pour aller se donner un peu plus de forme. Parce que là, hein, on était très, très dans le cru, là. Hein, on se souvient, là, c'était très... On va aller grossir un petit peu cette belle cuisse arrière. La cuisse arrière de l'animal va toujours être un peu plus grosse que la patte avant. Là, on va se remettre en invisible et aller voir ce qu'on fait ici. Là, c'est un petit peu trop. On va l'escaler à l'intérieur. Là, c'est là qu'on commence à modéliser. À modeler un petit peu plus ce qu'on fait. Lui, je veux que ça vienne vraiment au niveau de le pli qui est ici. Comme ça. On peut l'escaler encore un peu. Comme ça, on enlève la transparence, voir où est-ce qu'on s'en va. Je pense que c'est vraiment bien jusqu'à date. Voilà. Pour un modèle de base, là, il est très très bien. On va juste bouger celle-là pour qu'il soit vraiment un peu plus. Non, on ne le bougera pas. J'ai rien dit. Parce qu'on a besoin de la rondeur qui va être ici. Le cou va être un petit peu plus rond. Déjà que là, c'est quand même assez carré. Mais avec la sous-division qui est en dessous, ça va vraiment nous aider là. Et si on met juste une sous-division en dessous, on le voit quand même assez bien. Là, au niveau de la largeur de l'animal, je le sais. On n'a pas de vue de dessus, mais on sait qu'au niveau des épaules, c'est toujours un peu plus large. Au niveau du corps, c'est un peu plus rentré. Hein, si on se souvient d'un animal, on en a toutes vu. Fait qu'on sait que ici, celle-là va être rentrée un peu plus. Pas trop. Hein, pour aller chercher la courbe. Puis à l'arrière ici, ça va revenir. Comme ça. Je serais portée à utiliser cette edge-là. Puis celui-là, lui, vraiment, aller lui faire une sous-division comme ça. Aller la dupliquer. Voilà. Pour aller chercher vraiment plus la courbe du loup. Là, il manque de la définition au niveau des foufounes. Ah, ici c'est vraiment pas rond, mais pourquoi on peut pas? C'est parce qu'on n'a pas la sous-division qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avant de passer à l'étape suivante, hein? De un, on va sauvegarder, sauvegarde, et de deux, on va se créer un fichier avec les objets de backup. Hein, ceux qui me regardent depuis le début savent que je suis une grande fan de faire des backups. Pourquoi? Simplement parce que si jamais en faisant mes prochains moves, la prochaine modélisation, je scrappe quelque chose, j'ai pas à recommencer à zéro. Là, dans le moment, je suis très satisfaite du modèle que j'ai. Fait que je veux me faire une copie qu'on va vraiment nommer backup. Backup. Et lui, on l'envoie dans le fichier des backups qu'on peut cacher. Fait que comme ça, si jamais je fais quelque chose sur mon modèle par la suite qui ne me plaît pas,
pas de problème, je peux revenir avec ce que j'ai fait. Fait que je m'évite de faire la job en double, en triple, advenant le cas que je fais des gaffes. Là, la seule chose... Non, c'est pas mal ça. La queue, elle est très, très bien. Fait que je veux... Là, pourquoi est-ce que je voulais faire ça? C'est parce que je veux aller chercher vraiment plus de définition au niveau du corps. Là, je veux appliquer une sous-division tout de suite. Là, en appliquant la sous-division, ça l'a fait suer, comme on dit. Advance. Keep boundaries. Non, je veux que les rebords, tu me les arrondisses pas. Est-ce que tu peux me faire ça? Si je fais simple, il va me faire une sous-division qui va être carrée. C'est pas bon. Fait que multi-clark. Bon, regarde. On se cassera pas le vélo. Hein, je le dis souvent, ça. On se cassera pas le bicycle. Je vais juste aller en mode edit et placer mes vertex qui causent problème. Dans le moment, là, mes vertex qui causent problème, c'est vraiment juste celle-ci ici. C'est celle-là qu'on va repositionner correctement jusqu'à temps qu'elle se connecte. Boum. Voilà. Et je veux que ces vertex-là, S, Y, 0, soient alignés. Là, on a un point ici qu'on va remonter pour qu'il soit vraiment mieux. Ce qui m'a mis ça tout croche. Fait que là, j'ai plus de sous-divisions à travailler avec. Là, on le voit bien, là. J'ai vraiment plus de sous-divisions. Encore une fois, là, j'ai ma vertex ici qui est tout croche. On regarde dans tous les angles. Hein, celle-ci, là, elle était vraiment comme ça. Je le voyais pas très bien, mais là, on le voit. Et voilà. Là, à partir de là, je vais pouvoir travailler tranquillement la forme que je veux pour le loup, pour la tête du loup, dans le fond. Je vais pouvoir y recréer une nouvelle sous-division parce qu'il va falloir qu'il soit vraiment plus smooth que ça tantôt. Je vais juste la cacher for now. Et... on va pouvoir continuer de travailler là-dessus. Là, ici, regarde, on a comme une espèce d'effet de dentier. Puis j'ai aussi une autre vertex, là, qui a décidé qu'elle n'était pas collée sur l'autre. Fait, on va la placer correctement jusqu'à temps que ça colle. Parfait. Voilà. Et on va pouvoir commencer à arranger nos dentiers pour que ça soit vraiment plus droit. Et ça, c'est censé s'en aller vers le cou en avant. Hein? Fait que là, on a besoin que ça laisse se refermer un peu plus. On va travailler ça tranquillement. On se presse pas. On veut que ça reste beau. Hein? Ça va aller vers l'intérieur. Non, pas trop. Comme ça. Ces morceaux-là s'en vont par en dedans. Comme ça. Qui s'en vont vers le cou. Hop. Comme ça. Et voilà. Hein, beaucoup mieux. Ça vient vraiment chercher la forme. Là, on veut essayer d'aller chercher en même temps la forme qui est ici, là. Cette espèce de curve-là sur la tête. Et comme on a plus de sous-divisions maintenant, ça nous permet de le faire. On va pouvoir aller chercher cette courbe-là du cou. Aller chercher la courbe du dos un petit peu mieux. Comme ça. Aller chercher la courbe de l'arrière-train aussi. Hein? C'est ça qu'on disait tantôt, là. Qui manquait de forme un petit peu, là, l'arrière-train ici. On va remonter ça petit à petit. Comme je dis tout le temps, on y va tranquillement. Et on veut aller chercher, garder ça quand même le plus égal possible. Fait qu'on va le faire tranquillement, pas vite. Voilà. J'aimerais une sous-division ici de plus. La courbe me plaît pas. J'ai plus de sous-divisions ici que là. Quoique ici, je pourrais en enlever au pire aller une coche. Dissolve. Et dissolve au niveau des pattes. On va le garder comme ça. Juste pour que ça soit égal.
Hein, c'est vraiment juste pour essayer de garder cette égalité-là. Quand on sous-divise, ça soit pas si mal. Bon, au niveau de la queue, on va pouvoir l'arranger un petit peu mieux aussi. Hein, parce que là, la queue, là, on dirait qu'elle est whoop-a-l'ay, on dirait qu'elle sort et que c'est pas nécessairement ça qui est prêt à lui sortir de l'arrière-train. On va la rentrer un petit peu. Contrôle moins. Comme ça. Contrôle moins. On s'en vient coller la queue un petit peu plus. Hein, parce qu'on sait que la queue de l'animal est vraiment plus proche de son corps que qu'est-ce que ça l'était dans le moment. Voilà. Beaucoup mieux. Et là, au niveau des pattes, on s'assure qu'on est rendu à maintenant le pourtour de la patte. Ici, on est rendu à 8. Chiffre magique. Hein, parce qu'on avait 4, c'était vraiment un carré. Là, je devrais avoir 8 côtés. On va aller compter ça tout de suite. Juste se rapprocher de notre modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a exactement nos 8 côtés. À partir de là, mais qu'on veut travailler sur les bas des pattes, on va avoir notre chiffre en tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, 8. En tout cas, on a compris. Voilà. Puis l'autre chose qu'on va pouvoir placer aussi, c'est un petit peu mieux son bedon ici. Le bedon qui est là. Allez le placer un peu mieux comme ça. On regarde non transparent, voir ce que ça dit. Comme ça. Hein, c'est vraiment pas si mal. Comme je disais tantôt, l'arrière-train, je m'en occuperai pas énormément parce que la plupart des emotes, c'est vraiment au niveau de la tête, du cou, des pattes que on va avoir besoin de plus de définition que le reste. Là, ici, la courbe de la poitrine, du poitrail ne fonctionne pas. On arrange ça maintenant. Et on place le tout pour que ça soit un petit peu plus fit. Voilà. Voilà. Et lui, il est étiré un petit peu plus. Et ça, on va pouvoir y rajouter un petit peu plus de détails là, plus tard. Donc, le corps est déjà pas mal fait. On va sauter sur les pattes. Hippolyte, c'est encore pas mal carré comme papatte, hein? À partir de là, la papatte, qu'est-ce qu'on va lui faire pour Nan, pour commencer? Est-ce qu'on peut lui faire une sous-division? Ben, c'est pas si mal avec la sous-division. C'est vraiment pas si mal. Je me serais attendu à pire. La seule chose, c'est que ça va être au niveau des orteils. Ouais, il va vraiment falloir que je fasse comme s'il y avait comme 4 doigts. On va commencer par faire cette sous-division. Comme ça, la patte avant, on va la placer aussi. Hein? Là, elle semble un peu vers l'extérieur. On va tout de suite. Est-ce que j'applique tout de suite la sous-division ou est-ce que je lui fais une copie? On va y faire une copie. Un backup. N'est-ce pas? On ne sait jamais ce qui peut go wrong. On va y aller, y mettre le backup là. Bingo. Et on va tasser la patte pour qu'elle soit vraiment plus alignée avec le reste de la cheville. Voilà. On sait pas mal ça. On va lui mettre ça en smooth. Et celle-ci, on va pouvoir lui appliquer la sous-division. Alors, ma chère papatte, on va placer ton origine dans le centre. Pourquoi? Non, là, je suis sur l'image. L'origine dans le centre de la surface pour que je puisse te bouger comme j'en ai besoin. Voilà. Là, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus la définition de la patte de loup. Ah, c'est pas fait comme ça tout à fait, n'est-ce pas? Là, ça. Moi, je veux que ça va aller se connecter avec ça en haut. Fait que je veux laisser l'espace là. Fait que je vais me concentrer sur le reste. Comme ça. Sur les Z. On va l'aplatir un peu sur les Z. Le rotate un petit peu. Comme ça. On travaille là-dessus. Sur les Y.
que là, la forme de la pâte est pas ce que j'aime. Même au niveau du devant, là, on n'est pas tout à fait dessus. Je vais juste tasser l'image à l'arrière pour que la pâte arrive un petit peu plus dessus. Me donner une idée où est-ce que je m'en vais. Sur la largeur. La largeur de la pâte en haut, la largeur de la pâte en bas, c'est pas mal ça. La pâte a l'air d'être vraiment la même largeur tout le long. Il y a juste les orteils qui, dans le fond, sont vraiment un peu trop rétrécis. On veut pas ça. Hein, parce que là, il va falloir que je rajoute des doigts. Hein. J'aurais pas le choix de rajouter des doigts. Comment on va lui rajouter des doigts? Là, on va réfléchir correct comme il faut. Donc, la patte a quatre doigts. On le voit comme faux à l'arrière. Elle a quatre doigts. Comment on va l'arranger? J'aimerais extruder les doigts. Et les rendre un peu plus rondes. Ouais, fait que j'aurais pas le choix, là, vraiment, de sous-diviser la patte une coche de plus versus le reste du corps. Pour être capable d'aller chercher vraiment un peu plus de définition au niveau des doigts. Parce que, comme les pattes avant, ils vont probablement servir pour, comme, faire des émotes avec. Tu sais, mettons, oh, les deux pattes dans le visage. Ou qui se cachent les yeux, peu importe, les pattes vont être une grosse partie de l'animation qui va être vraiment visible. On parle pas de l'arrière-train du loup. Enfin, on va y sous-diviser ça comme ça, le plus égal possible. D'en haut jusqu'en dessous. Oui, jusque-là. On va diviser ça. Pourquoi tu t'en vas tout croche de même? Et là là, ça va pas super bien essayer de découper. On va y aller petit à petit sans être en vue transparente. Comme ça, Enter. Bon, tu as décidé de m'envoyer ça là. Ben, c'est correct. Ça va me faire ce que j'ai de besoin. Comme ça, là, Enter. Et on divise tranquillos. Pour aller chercher de la définition pour créer mes doigts. Ça va vraiment aller jusqu'en dessous. Comme ça. Hop. Dans le coin. Paf. Oui, paf. Dans le milieu. Hop. 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 Enter. Et toi, tu t'en vas te connecter sur ton ami là. Là, ça me donne vraiment plus de sous-division. Au niveau des doigts, fait que je pense. Ah, on va peut-être être capable de faire quelque chose de pas pire. Peut-être. On va pas trop s'emballer tout de suite. Là, on a nos quatre doigts qui sont là. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, si t'extrudes tout ça, là, ça va être vraiment gros, là. Oui, I know. Mais pour le moment, au pire, allez, on délitera des surfaces en arrière pour reconnecter le tout. Là, on va aller chercher ces deux doigts-là. Ben, ce doigt-là, on va cacher le corps. Hein. Le corps, on n'a pas besoin dans le moment. Et on va aller extruder comme ça sur le sens des Y. Dans le fond, là, les doigts, là, ils montent quasiment jusque sur le dessus du pied. Fait que ça, là, tout ça, là, on va le bouger vers en haut après. On va utiliser ça. Qu'on va grossir un peu, puis après utiliser le tout comme ça pour le rapetisser qui va devenir le bout du doigt du loup. Comme ça, qu'on va descendre dans l'axe. Comme ça. Vraiment plus à plat. Je me fie à l'image qui est là. Puis il va falloir y faire une griffe. Les griffes, est-ce qu'on va les faire dans le même pain? Absolument pas. On fera pas ça. On veut quand même pas se causer des problèmes. Hein? Là, ça va vraiment pas si mal. La seule chose qu'on aurait besoin, c'est vraiment qu'il soit à plat un petit peu plus sur le bout. Fait qu'on se souvient, on faisait une double extrusion. Comme ça. Pour y faire une belle démarcation.
Et là, on revient sur ces deux surfaces-là. Qu'on se met en mode vue du dessus. Extrusion, bouton droit dans les X, dans les Y, pardon. Et on va refaire comme tantôt. On va tasser ceux-là pour vraiment que, dans le fond, ça fasse un peu comme un hexagone. Ah, avec l'hexagone, non, on est capable d'aller chercher quelque chose un petit peu plus rond. Comme ça. Et Colin est déjà rendu 11h. Écoute, on va finir cet orteil-là, là. Il va falloir que j'y aille après, Colibine. Non, pas ce doigt-là. OK, fait que là, on rapetisse le tout. Hop. On se met en vue. On va le placer dans le sens des Z, qui soit à peu près à la même place. Comme ça. Hein, c'est pas mal la même chose. Ensuite, comme tantôt, petite extrusion. On le ressort un peu. Scale down. Et voilà. On a notre deuxième orteil. Contrôle plus si jamais je veux l'allonger un petit peu plus comme ça. Voilà. Fait que là, je serais rendue avec mes deux orteils. C'est sûr, si je veux y donner un peu plus de volume. Oups, là j'en ai mis deux. Si je veux y donner un petit peu plus de volume comme ça, je peux en masse. Après ça, S, Y, 0. Comme ça. Et me servir de ça pour y faire là, le doigt un peu plus gros. Là, parce que là, il est en ligne droite. Mais voilà. Fait que c'est pas mal ça. Là, il manque des doigts. Mais malheureusement, c'est tout le temps que j'ai. Pour continuer ça, je suis très très satisfaite à date de ce que ça donne. Donc, j'espère que le stream d'aujourd'hui vous a plu tout le monde. Je suis très contente de où qu'on est rendu maintenant. Donc, on va aller voir qui est-ce qu'il y a ce matin. On va commencer par voir dans l'équipe des artistes du Québec. Voir s'il y a des gens. Ah ben, Colin, il y a une personne que j'aime bien gros. Je sais pas si on l'a déjà raidée. Je pense que oui. Mais elle fait partie de l'équipe Artistes Québec. Ben, je pense qu'on va aller lui dire un beau bonjour. Il y avait une pub. Open link, ça ne sera pas très très long. Mais Caroline, il y a plein de monde. Non, ça se peut pas. Team Québec. Ah non, c'est ça. C'est pas dans la bonne équipe, ça là. Ça, c'est Team Québec. Elle est pas dans l'équipe Artistes Québec, dans le fond. Bonne petite musique en background. Ah ben, il y a MP La Liberté que je n'ai jamais été voir encore. Qui est une artiste de l'équipe Artistes Québec également. Elle est présentement après faire du graphisme. Fait qu'on va aller lui dire bonjour. Si ça ne vous dérange pas. N'oubliez pas, vous restez dans le raid. On va lui envoyer plein d'amour de la part de Jeux AZ. On s'en va la raider. On a dit c'est MP La Liberté qui est également dans l'équipe d'Artistes du Québec. Donc, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit dans très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur le Discord pour voir ça va être quand le prochain live. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!